Philippe Rivet, l'afficheur fou. C'est comme ça qu'on l'appelait dans la presqu'île de Guérande, parce qu'il collait son nom et sa photo partout. Il voulait réussir en politique, devenir conseiller général et surtout maire du Pouliguen, où sa famille avait une maison. Être le chef, quel que soit le parti d'ailleurs. C'était son rêve depuis l'âge de 16 ans, ou plutôt celui de sa mère. Pour lui, la campagne électorale était une guerre, alors il a sorti les armes. Son ambition politique délirante et sa rancœur ont tué deux hommes. Les touristes ont quitté la plage, les vacanciers fermaient leur maison. La Baule prend doucement ses quartiers d'hiver. Le 24 novembre 2000, c'est une calme journée d'arrière-saison qui commence au CICAPG. Le CICAPG, c'est le syndicat chargé des questions d'environnement pour une dizaine de communes de la presqu'île de Guérande. J'arrive à 8 heures, comme tous les matins, ce sont mes horaires. Et avec Jacques, souvent, on se retrouvait dans les bureaux. Et c'est vrai que ce matin-là, j'avais des étiquettes à faire. Donc je me suis installée directement à mon bureau. Je me souviens, je lui ai demandé où était Jacques. Elle m'a dit, il est en bas, dans la salle. Je lui ai dit, bah, écoute, je te donne un coup de main, puis j'irai lui dire bonjour après. Il y avait un pot l'après-midi et Jacques, tellement minutieux et prévoyant, il a voulu préparer cette salle pour recevoir tous les collègues le midi. Et d'ailleurs, il m'avait demandé d'aller avec lui préparer cette salle. Et j'ai dit, écoute, je le ferai que lorsque j'aurai terminé de faire ces fameuses étiquettes qui étaient importantes. Et Dieu merci, je suis pas descendue tout de suite non plus, quoi. Pour moi, c'était un bruit comme un avion qui passe le mur du son et l'établissement qui se dérobait sous mes pieds. Les portes ont semblé bouger, le plafond de la salle aussi. Et j'ai tout de suite dit à Jocelyne qu'il fallait qu'on sorte rapidement. Quand on a vu ça, les murs qui commençaient à se lézarder, on s'est dit il va falloir descendre chercher Jacques, parce que lui, il est en bas. Et quand on a voulu descendre les escaliers, effectivement, il y avait une fumée opaque. J'ai dit, c'est pas la peine, on étouffe. J'étais dans la cour de la caserne et j'ai entendu la détonation. Puis très vite, on a été alerté pour une explosion au CICAPG. À l'arrivée, je vois des personnes qui sont sur le trottoir, qui regardent. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de flamme. L'explosion a soufflé la salle de réunion du CICAPG, la salle où devait avoir lieu le pot d'adieu. Quand on a vu l'extérieur, toutes les vitres cassées, on s'est dit, Jacques, à mon avis, il a eu le temps de sortir, mais ça m'étonnerait. J'ai pas le souvenir des détails de comment j'ai reçu l'information. C'est ça qui est étrange. Je sais que Jacques n'est plus là. Jacques est mort. Jacques Leparoux, il avait 39 ans. La police installe aussitôt un périmètre de sécurité. Je vois les policiers qui se dirigent vers moi en me disant « Vous êtes le responsable de l'établissement, écoutez, suivez-moi, il faut venir reconnaître la victime. » Je les suis sans savoir exactement ce que j'allais voir et je rentre dans cette pièce dévastée. Mais finalement, ce n'est que quand j'y suis revenu plus tard que j'ai vu tous les dégâts, parce que là, je ne voyais qu'une seule chose, c'était la personne. Je sais que c'est Jacques, mais on me demandait de reconnaître une personne et je ne reconnaissais évidemment personne puisqu'il avait perdu la tête.
sa tête avait disparu. Et donc je voyais une tenue qui pouvait être celle de Jacques. Et c'était vraiment terrible. L'explosion a tué. Il faut maintenant trouver son origine. Il n'y a pas d'odeur de gaz, donc pour nous, explosion souvent rime avec gaz, donc là on n'a pas d'idée particulière. De prime abord, moi je pense à un défaut sur une chaudière ou sur un chauffe-eau. Mais ce n'est pas ça. Quelque chose a explosé dans la salle que Jacques Leparoux préparait. Très vite, des collègues sont venus me raconter que Jacques avait pris la chaîne IFI qui était entreposée depuis quelque temps dans nos bureaux et l'avait descendue en bas, et que ça pouvait être cela. Un expert en explosifs examine la salle. L'explosion a creusé un cratère dans le mur comme une bombe. La chaîne IFI a disparu. La chaîne IFI qui devait se trouver là n'y est plus, donc elle a complètement éclaté. L'analyse des débris de la chaîne IFI, le carter éclaté, baffle également éclaté, les composants disloqués, et la proximité finalement du mur qui est percé, la table qui est complètement déchiquetée, sur laquelle elle était posée, m'ont déjà indiqué qu'il y avait une charge qui était contenue à l'intérieur de cette chaîne IFI. Une charge explosive. Dans la pièce dévastée, les enquêteurs retrouvent le carton d'emballage de la chaîne IFI. Elle n'avait jamais servi. La secrétaire du CKPG nous retrouve le bon de livraison qui accompagnait la chaîne IFI. Et on s'aperçoit que le colis donc, était destiné CKPG, La Baule, M. Christophe Friou. Donc là, pour nous, la cible est désignée là, sur le carton. Hein. La cible, c'est bien M. Christophe Priou. Christophe Priou arrive très vite sur place. Conseiller général et maire du Croisic, il préside le CKPG. C'est la figure montante de la droite locale. Christophe Priou, c'est quelqu'un qui est apprécié, maire du Croisic, un parcours également en tant qu'ancien directeur de l'écrier du Croisic, quelqu'un qui est connu, qui est apprécié de ses concitoyens et qui représente l'incarnation d'un homme politique honnête, sincère et proche de ses concitoyens. Cette bonne réputation sert le CKPG. Le syndicat se remet à peine d'un scandale de fausses factures qui a éclaboussé les élus locaux, notamment leur figure de proue, le baron gaulliste Olivier Guichard. Maire de La Baule, député de la région Pays de Loire pendant 20 ans, Guichard est le mentor de Christophe Priou, celui qui l'a poussé à la mairie du Croisic et aux plus hautes instances du département. L'homme visé par la bombe est à la fois son héritier et celui qui doit incarner le renouveau de la droite locale. Christophe Priou, vous étiez le destinataire de ce colis piégé. Comment réagissez-vous quand vous apprenez ce qui s'est passé ? Bah c'est un choc. Hein. Le monde s'effondre autour de vous, hein, puisque c'était le chaos effectivement physique au syndicat intercommunal. Et puis après, pourquoi, qui, comment ? Il faut affronter le regard des autres, il faut affronter la rumeur. Vous vivez notamment avec un lourd sentiment de culpabilité, puisque quelqu'un est mort à votre place. On se sent responsable ? On se sent responsable. Responsable, mais pas coupable, comme on pourrait dire. Et puis après, vous avez tendance aussi à vous renfermer sur vous-même. Les grandes du leurre sont muettes, et c'est vrai. Et vous dites aussi que, quel que soit le déroulement d'une enquête, vous ne pourrez jamais revenir, vous ne pouvez pas remonter le temps et dire, à 8h15, le 24 novembre, on remet les pendules à zéro et Jacques Leparoux va pouvoir continuer à vivre. Vous avez bénéficié de mesures de sécurité particulières à ce moment-là ? Oui, dès le soir même, puisqu'après avoir débriefé l'ensemble du personnel, la police judiciaire voulait me ramener chez moi. Ben, je dis oui, vous me ramenez à mon domicile, mais vous prenez des affaires, vous ne pouvez pas rester à votre domicile, il faut que vous alliez vous isoler, on vous surveillera.
Et donc j'ai passé quelques nuits à l'hôtel les jours suivants et je me suis mis au vert pendant à peu près 3-4 semaines et régulièrement j'ai été en contact avec la police judiciaire et les gendarmeries du secteur faisaient des rondes pour effectivement voir s'il n'y avait rien d'anormal. Vous aviez peur ? Peur, oui, et surtout, vous pensez aussi à votre famille qui peut être visée, puisqu'on peut vous viser vous directement, ça a été le cas, mais on peut s'en prendre aussi à votre famille, vos enfants. Et qui pouvait vous en vouloir à ce point, à ce moment-là ? Est-ce que vous avez des pistes ? Pas du tout. Est-ce que c'était en tant que Christophe Priou individu ? Est-ce que c'était par rapport à la fonction président du syndicat intercommunal ? Enfin, je veux dire, ça faisait partie des pistes très très vite à explorer. Les circonstances de l'explosion qui s'est produite ce matin à La Baule, au siège du syndicat intercommunal, sont encore inexpliquées. La thèse accidentelle, en tout cas, est exclue. On privilégie la thèse criminelle. Des policiers antiterroristes se sont rendus sur place. Et si Jacques Leparoux avait posé lui-même la bombe ? Il y a un carton suspect dans son coffre. Les démineurs font sauter sa voiture, mais le carton est inoffensif. Leparoux n'est pas un poseur de bombes. Sa famille apprend le drame. C'est M. Priou qui est venu avec un de ses collègues de travail annoncer à maman le décès de Jacques assez rapidement dans la matinée. Maman lui en a voulu dans un premier temps. C'est vrai qu'évidemment, elle ne comprenait pas que ce soit son fils et pas M. Priou. Et c'est vrai qu'elle lui en a voulu au départ, ça c'est sûr. Elle a eu du mal à comprendre pourquoi... Cet objet était resté sur place, qui ne lui a pas été directement envoyé, ça c'est sûr. Jacques Leparoux travaillait au CICAPG depuis plus de 10 ans. Pâtissier, il était devenu technicien de l'environnement et des déchets, un collègue très apprécié. C'était quelqu'un qui était très prévenant. C'est quelqu'un qui était à l'écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est quelqu'un de joli et extraordinaire. C'était quelqu'un de... On rencontre qu'une personne comme ça. On avait prévu qu'on aurait fêté nos 40 ans ensemble avec les collègues à l'été 2001. C'était prévu. Je n'ai pas fêté mes 40 ans. L'enterrement de Jacques Leparoux a lieu 4 jours après le drame dans son village natal de Savenay. Loin de l'intimité familiale, la cérémonie se déroule sous surveillance policière, en présence de tous les élus de la région. La mère et les 4 frères et sœurs de Jacques Leparoux n'ont pas pu voir son corps avant la mise en bière. Ça a été aussi quelque chose de très dur, de ne pas voir le corps de Jacques, de n'avoir qu'un cercueil par la suite. Hein. C'est vrai que ça a été très dur. Maman, ça je regarderai toujours cette image-là, maman qui essayait d'ouvrir le cercueil pour voir son fils. Le lendemain, une marche silencieuse est organisée à La Baule. Un millier de personnes défilent en hommage à Jacques Leparoux. Sa mort est d'autant moins compréhensible que personne n'a revendiqué l'attentat. Les enquêteurs doivent retrouver l'expéditeur du colis piégé. Le bon de livraison de la chaîne IFI n'a pas été détruit. C'est le premier fil qu'ils vont tirer. D'après ce bon de livraison, le colis provient d'un entrepôt FedEx situé à Gennevilliers en région parisienne. Il a été expédié le 4 août 2000. Le bon FedEx, au départ, il ressemble vraiment à un bon FedEx, un document authentique. C'est après qu'on veut analyser les documents et qu'on contacte la société FedEx qu'on s'aperçoit que c'est un faux intégral. Y compris le code barre qui figure sur ce document est inventé. On déduit que déjà, c'est pas la société FedEx qui a livré le colis, c'est quelqu'un qui est venu déposer le colis devant la porte du CICAPG. Un témoin est passé devant l'immeuble. Le samedi 5 août, vers 10h du matin, le colis n'y était pas.
On peut penser qu'il a donc été déposé entre le 5-10 heures et le 7-8 heures et quelques lorsque la secrétaire le découvre devant la porte. J'arrivais de vacances ce fameux lundi 7 août et j'ai vu un colis juste à l'entrée. Donc je me suis dit, ça doit être un fournisseur qui a laissé ce carton, chose qui n'arrive jamais, mais bon, je ne me suis pas posé plus de questions. Et quand j'ai vu Jacques, je lui ai demandé d'aller récupérer ce fameux carton. Il est donc allé le chercher et nous l'avons monté dans la salle du deuxième. Nous avons ouvert ce fameux carton. Et quand nous avons vu que c'était une chaîne IFI, c'était déjà un vieux modèle, on l'a remise dans le carton et nous l'avons refermé. La chaîne IFI reste dans son carton. On la pose dans un coin et on l'oublie plus de 2 mois. Je me souviens même qu'on plaisantait par rapport à cet objet puisque nous faisions les réunions au tout départ de direction dans la salle du premier étage et ce colis était contre un mur. Et je me souviens aussi que lorsque l'on s'est installé autour de la table, lorsque les chaises un peu larges, on se reculait et on heurtait ce colis, voire donner un coup de pied dedans presque. C'était en disant mais personne n'est venu encore le chercher. Personne. Jusqu'à Jacques Leparoux, le 24 novembre 2000. Et c'est parce qu'il y avait un pot de départ à la retraite qui était organisé que M. Jacques Leparoux a eu l'idée de mettre un peu d'ambiance au niveau de la fête qui devait avoir lieu. Et il s'est rappelé qu'il y avait cette chaîne IFI dans un bureau et il a voulu la brancher. Si l'engin avait explosé au moment de la réunion de tout le personnel pour le départ en retraite de ce monsieur du CKPG qui, eh bien là, il y aurait eu des dégâts beaucoup, beaucoup plus importants, oui, c'est sûr. Une trentaine de personnes étaient attendues à cette petite fête. La mort de Jacques Leparoux, paradoxalement, leur a sauvé la vie. Grâce à la notice retrouvée dans le carton d'emballage, la police sait à quoi ressemblait cette chaîne IFI. La bombe cachée dedans était sans doute de fabrication artisanale. On sait que c'est un engin improvisé, hein, puisque c'est un EEI, comme ils l'appellent. C'est un engin explosif improvisé, mais on n'a pas la nature de l'explosif. C'est l'expert qui le leur dit un peu plus tard. Les analyses, par des frottis qui ont été effectués sur tout ce qui avait été placé sous scellé, appartenant à la chaîne IFI, il a été retrouvé une présence de chlorate de sodium et de sucre. L'expert retrouve aussi les débris d'un fût de bière de 5 litres. C'est probablement dans ce récipient caché dans la chaîne IFI que se trouvait le mélange explosif. On a pu vérifier s'il pouvait s'intégrer facilement ou pas, à l'intérieur d'une chaîne IFI de même marque et identique à celle qui avait donc explosé le jour des faits. Et on s'est aperçu que ça pouvait être intégré sans grosse difficulté. On a déterminé qu'il y avait environ 3,5 kg de charge explosive. Donc cette chaîne IFI se trouvant à une trentaine ou quarantaine de centimètres de la tête de la victime, il est sûr et certain qu'il avait aucune chance de pouvoir réchapper à la puissance de l'explosion. D'autant moins de chance que la bombe était conçue pour exploser dès que la chaîne IFI serait branchée. Là, l'explosion a été immédiate et instantanée. Donc c'était un engin, là c'est vraiment un engin qui a été conçu pour tuer de manière systématique. Tuer la première personne qui brancherait la prise, le destin a voulu que ce soit Jacques Leparoux. Pierre-Marie Bloch-Gilles, à l'époque, vous êtes procureur de la République à Saint-Nazaire. L'attentat n'est pas revendiqué. Quand l'enquête démarre, vous envisagez quelle piste ? Alors, la première piste qui a été envisagée était la piste terroriste, notamment de l'ARB, l'Armée révolutionnaire bretonne, car nous avions eu quelques mois auparavant un attentat revendiqué par l'ARB qui concernait la mairie de La Baule. Cette piste s'est révélée très rapidement inexacte. L'ARB ne vise pas des personnes, mais vise des bâtiments. Cet organisme a toujours revendiqué ces attentats. Or là, l'attentat n'était pas revendiqué ni authentifié.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme piste ? Alors, on a examiné d'autres pistes qui tenaient un petit peu au folklore local, les paludiers qui se plaignaient de plusieurs mauvaises récoltes, les chasseurs de bruyères qui contestaient la réglementation européenne sur la protection de certains oiseaux. Est ressorti très rapidement dans les esprits une affaire précédente qui remontait à 5 ans avant ou 6 ans avant, qui était l'affaire des faux marchés publics du civum de la Baule, l'ancêtre du SICAPG. Il y avait eu un grand scandale, c'est ça ? Alors, il y avait eu un scandale, puisque à l'époque, c'était Olivier Guichard qui était président du civum de la Baule, et que son directeur lui a fait signer des faux marchés publics pour détourner à peu près 11 millions de francs. Ce directeur s'appelait Roger Poteau, et donc il a été condamné finalement à 8 ans de réclusion criminelle. Or, Roger Poteau a été libéré conditionnellement le 28 juin 1999, donc avant l'attentat. Et, peu de temps, et on pouvait se demander, surtout dans la mesure où Christophe Priou avait intenté des actions en réparation contre lui pour les détournements, on peut se demander s'il n'a pas essayé de se venger. Alors, on a fait des vérifications. Ces vérifications ont démontré que Roger Poteau s'était retiré dans la région de Bourg-en-Bresse, qu'il n'avait jamais été présent, qu'on ne trouvait pas de trace de sa présence dans la région au moment où le colis piégé a été déposé, et il voulait tourner la page. Donc cette piste faisait long feu, là encore. 6 mois d'enquête, des portes qui se ferment les unes après les autres. Et un poseur de bombes qui court toujours. Cette période a été la plus terrible, parce que ne pas savoir qui ni pourquoi laissait planer l'hypothèse d'un nouvel événement. À Nantes, au siège de l'APJ, les policiers tournent en rond. Ils ont tiré toutes les ficelles qu'ils pouvaient. Il n'en reste qu'une, pas bien grosse. Une histoire de rivalité politique assez mesquine, à laquelle ils n'ont d'abord pas cru. Mais faute de mieux, ils ressortent le dossier. C'est Madame Durosquat, donc la présidente du Centre national des indépendants, qui nous signale Monsieur Rivet au mois de décembre 2000, dès le mois de décembre. 15 jours seulement après l'attentat, Annick Durosquat est venue voir les enquêteurs pour leur parler d'un jeune militant, un type qui, selon elle, vouait une haine farouche à Christophe Priou. On nous présente cette personne comme quelqu'un d'excité, voulant s'installer sur le plan politique dans la presqu'île, et manifestement de malsain. Quoi. Philippe Privet, 29 ans. Il est né en région parisienne dans un milieu aisé. Sa famille possède une maison au Pouliguen, à 8 km de la Baule. Il y passe toutes ses vacances. Son grand-père était secrétaire général à la mairie, et Philippe Privet nourrit un rêve depuis toujours, devenir maire du Pouliguen. Son grand-père, il faisait tout avec son grand-père. Son grand-père, il l'emmenait en vélo à la plage, il s'occupait de lui. Et puis, il avait une admiration parce que son grand-père, il était à la mairie du Pouliguen. Alors, pour un enfant, c'était quand même une personnalité. Il connaissait tout le monde dans le Pouliguen. C'est un petit peu reproduire l'image du père. Parce que moi, je ne lui ai pas donné une bonne image, parce que je ne me suis pas occupé de lui, alors. Le père de Philippe Rivet a été longtemps malade. Et c'est sa mère qui menait la barque à la maison. Sa mère qui lui a transmis le virus de la politique. C'était sa mère qui le poussait là-dedans. Vous connaissez pas ma femme ? C'est une pitbull. Madame Rivet est autoritaire, elle est très dominatrice, je pense, envers tout le monde. Et nous, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que son fils, elle éloignait tout le monde de son fils. Quoi. À 16 ans, Philippe Rivet a délaissé ses études pour s'inscrire au Front National. On avait un voisin en bas de la résidence qui était député du Front National. Alors, ses enfants, c'était les copains de mon fils, donc il l'avait embrigadé là-dedans.
Philippe Rivet voit loin, mais au front, il se heurte à plus fort que lui. Les crimes et délits seront poursuivis. Il se montre hargneux, jaloux. Ses ex-compagnons du FN racontent aux policiers une anecdote qui en dit long. Ces gens-là nous ont parlé effectivement qu'à une époque, M. Rivet avait eu pour projet de supprimer, entre guillemets, M. Maréchal, le gendre de Jean-Marie Le Pen. Il se voyait, lui, à la place du chef, Rivet. Il se voyait président du Front National Jeune, etc., etc. Philippe Rivet quitte le FN pour s'inscrire au GUD, le groupe Union Défense. Il peut y mener les actions musclées dont il rêve. En capacité de droit à SAS, il passe son temps à militer ou à faire le coup de poing. En 96, il participe à l'attaque de Fun Radio. Et au GUD aussi, il veut être le chef. Et là encore, il échoue. Alors il fonde son propre mouvement, l'UNED, l'Union Nationale des Étudiants de Droite. C'est un jeune homme qui pensait que s'il n'avait pas réussi sur le plan universitaire, puisqu'il n'avait pas réussi ses études de droit, il n'avait pas eu son bac, s'il avait échoué donc dans des études de jeune homme de bonne famille, il pouvait peut-être réussir socialement avec une carrière politique. Pour devenir maire du Pouliguen, il lui faut le soutien d'un parti. Après son service militaire, il entre donc au CNI, le Centre National des Indépendants. Un petit parti bien implanté dans la droite rurale. Il commence par faire bonne figure, la présidente du CNI, qui est une élue locale, l'accueille très contente d'avoir un jeune militant actif, plein de vie, etc. Et puis, peu à peu, voit qu'il n'est pas très fiable, qu'il peut faire des faux documents, être manipulateur. Philippe Rivet est prêt à tout. Il se lance d'abord à l'assaut du Conseil Général. Il veut prendre la place de Christophe Priou aux élections de 2001. Mais il fait campagne trop tôt et surtout trop fort. Sa photo et son nom sont partout, on l'appelle l'afficheur fou. Au point que Christophe Priou, le maire du Croisic, dénonce cet affichage sauvage auprès de la police municipale. Le jeune militant plein de vie s'avère ingérable. Annick Durosquat doit l'exclure du CNI. Philippe Rivet est évincé de la campagne électorale. Son rêve s'effondre. Lorsque Philippe Rivet a reçu sa lettre l'excluant du CNI, il l'a très, très très mal pris. Oui. Effectivement, ça a été un choc psychologique important, oui, manifestement. Selon Annick Durosquat, Rivet tenait Christophe Priou pour responsable de son échec. Elle nous dit qu'il est tombé dans une rage folle à partir du moment où il a été évincé donc, du parti. Et puis surtout, elle nous dit que c'était un personnage un peu spécial, genre revanchard, qu'il en veut beaucoup à Christophe Priou. Elle nous dit même qu'il a prononcé des menaces de mort, mais elle pensait que c'était une mort politique plutôt qu'une mort physique. Mais après la bombe, elle a pris peur. Et au vu du passé violent et des méthodes politiques déloyales de Philippe Rivet, les policiers commencent à penser qu'ils tiennent un bon suspect. La PJ veut maintenant aller vite, entendre Philippe Rivet et fouiller sa maison, ou plutôt ses maisons. Il partage sa vie entre la villa de ses parents en région parisienne et leur maison de vacances au Pouliguen. Les deux perquisitions doivent avoir lieu en même temps. Le 16 mai 2001, les policiers frappent donc aux deux portes. À 6h du matin, l'heure légale, la première équipe arrive à l'Étang-la-Ville, l'habitation principale des Rivet. Donc nous sommes présentés à l'improviste comme ça. Donc nous avons déjà vu une maison, tous les volets fermés. Par contre, devant la porte du garage, il y avait la voiture de M. Philippe Rivet qui était stationnée devant, donc on pouvait penser qu'il était là. On a tambouriné à la porte pendant pas mal de temps avant que celle-ci ne soit ouverte par M. Rivet-Alain, donc le père de Philippe Rivet. Ils m'ont dit police criminelle, police judiciaire. Bon. Moi, je ne les ai pas crus, alors j'ai appelé la police de Marly-le-Roi. Ils sont venus et puis ils ont constaté que c'était des vrais policiers. Le père de Philippe Rivet est tout seul dans la maison.
il n'a pas l'air dans son assiette. On s'est trouvé face à un personnage défait physiquement, voire même moralement. Les policiers lui présentent la commission rogatoire du juge. Ils enquêtent sur un attentat qui a tué un homme à la Baule et ils veulent entendre son fils Philippe. Ah ben j'étais effondré. Hein. Je me suis demandé ce qui se passait. Hein. Ah, j'étais complètement effondré. Remarquez, ils ont été sympas avec moi, hein, et ils m'ont rien reproché. Hein. Ils ont même été très gentils. Hein. Ils m'ont soutenu moralement. Hein. On comprend, on est des pères de famille. Alain Rivet explique que sa femme et son fils sont en Italie. Ils doivent rentrer prochainement. Les policiers commencent leur perquisition dans une maison en piteux état. Une fois qu'on pénètre à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y règne un désordre, mais indescriptible. Proche de la saleté même d'ailleurs. Un chat n'ira pas retrouver ses petits, et c'est bien pire que ça. Incroyable. On rentre dans la chambre de M. Philippe Rivet, et là, la première impression, bon, bah, on se dit, tiens, ça sent bon. Au-dessus du lit, nous apercevons un poster de la Waffen-SS avec un soldat qui demande à l'engagement. Donc ça nous donne immédiatement un sentiment sur les idées que peut prôner Philippe Rivet. Ça donne une ambiance un peu particulière. Plus grave pour Philippe Rivet, sa chambre regorge d'éléments compromettants. Et personne n'a pris soin de les dissimuler. C'est presque une pêche miraculeuse. Première chose qu'on découvre, des coupures de presse, mais en grande quantité, concernant soit M. Christophe Frioux, soit le CKPG de la Baule, et puis bien évidemment l'attentat de la Baule. On trouve un autre élément qui est déterminant, c'est un petit carnet rouge qu'on trouve dans une armoire. On saura après que c'est le carnet de préparation militaire de Philippe Rivet, il a fait la préparation militaire. Et dans ce carnet, on trouve une liste d'explosifs, notamment d'explosifs de circonstance, fabriqués avec du chlorate et du sucre. Donc là, on se dit, tiens, il est au moins au courant de cela. Les policiers fouillent aussi la chambre du frère de Philippe Rivet. Elle leur réserve une autre surprise. Dans cette chambre, on trouve un fusil à pompe qu'on ne peut pas saisir dans le code de notre enquête puisqu'on est saisi sur une affaire d'attentat explosif. Hein. On n'est pas dans une affaire de vol à main armée ou d'assassinat avec une arme. Hein. Ensuite, on descend à l'étage en dessous. Là, on arrive dans la cuisine, c'est le salon. Alors c'est indescriptible, là il y a les reliefs des repas de 3-4 jours à l'avant, qui sont sur la table avec des papiers froissés partout. Enfin, il n'y a qu'une seule pièce au rez-de-chaussée qui est ordrée, c'est le dressing de madame. Voilà, ça c'est une pièce qui est parfaite. Il est temps de passer au garage et à la cave. Là aussi, le désordre règne. Dans un coin, on trouve un pot de chlorate entamé. Ensuite, un peu plus loin, on trouve dans un pot de protéines une substance qui ressemble à du chlorate, mais qui est visqueuse. On peut penser déjà à un mélange de chlorate et de sucre. Donc évidemment, ça, on saisit. Et là, on se dit, bon, on n'est pas loin de la chose. Et les policiers tapent encore dans le mille quand ils fouillent la voiture de Philippe Rivet. Ils y trouvent un pot qui contient le même mélange. Quand on repart de l'étang la ville, on n'est pas sûr à 100%, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%. Mais on se dit, on est quand même là sur une bonne piste. Les enquêteurs laissent à Alain Rivet une convocation pour son fils et lancent un mandat d'arrêt national contre lui. Au même moment, Dominique, une équipe de la PJ de Nantes perquisitionne la maison du Pouliguen. Oui, exactement. Perquisition comme à l'étang la ville, qui va s'avérer très fructueuse. Les policiers se présentent le matin dans cette maison qui est une maison de vacances, donc il n'y a personne à l'intérieur. Un serrurier est avec eux, qui sur réquisition judiciaire va leur ouvrir la porte. Les policiers entrent et commencent leur perquisition. D'abord, ils vont retrouver tout un tas de coupures de presse sur Christophe Prioux. Ensuite, des photocopies des pages de l'annuaire de la Loire-Atlantique sur plusieurs années, 1993, 94, 97, 99, avec des informations relatives à Christophe Prioux, ses téléphones, ses adresses au Croisic. Et puis, comme
chez tout le monde, va trouver un ordinateur, donc la police scientifique va le faire parler, cet ordinateur, et dedans, on trouve un fichier relatif au CKPG, et puis le schéma d'un système électrique dont on pense qu'il pourrait servir à déclencher une bombe artisanale. Et puis on trouve aussi une imprimante, un photocopieur, du matériel qui aurait pu servir à fabriquer le fameux bon de livraison FedEx. On trouve aussi 3 tickets de caisse d'un magasin Lidl au Pouliguen où Philippe Rivet allait faire ses courses. Et ça, ça va mettre la puce à l'oreille des policiers parce que la bombe, elle a été fabriquée avec un fût de bière de 5 litres qui a été rempli d'explosifs. Et ce fût de bière, il est d'une marque qui est en vente exclusivement dans les magasins Lidl. Philippe Rivet ne répond pas à sa convocation. Les policiers qui l'ont placé sur écoute le traquent par téléphone. On intercepte une communication téléphonique entre M. Rivet, Philippe et Alexandre Caget. Alexandre Caget qui est un de ses compagnons de route, qui est présenté d'ailleurs comme son directeur de campagne. Et là, Alexandre Caget dit à Rivet, bah, écoute, viens me voir chez moi. J'ai trouvé un article important sur la Baule. Le procureur parle de dynamite. Et ça a l'air de l'intéresser vraiment. Alors, pour qui, pourquoi? Donc les deux hommes se donnent rendez-vous le soir à Paris. On les fait sur le trottoir, quoi, hein, à la rencontre, comme ça. Et bon, on se présente aussitôt, M. Rivet, police judiciaire. Et je me rappelle une réflexion qu'il a faite d'ailleurs à ce moment-là. Il se retourne vers Alexandre Caget, son ami, là, et lui dit bah, ça y est, lève là. Au cours de l'interpellation, les articles de presse sur l'attentat tombent par terre. Mais les deux copains ne se démontent pas, même quand les policiers leur signifient leur garde à vue. Direction Nantes, où les deux hommes sont entendus dès leur arrivée à la PJ. C'est Philippe Rivet qui se montre le plus bavard. On s'aperçoit qu'il est assez content de parler de lui, en fin de compte. Hein. Il nous décrit son parcours politique, etc. Il se donne beaucoup plus d'importance qu'il en a. Hein. Philippe Rivet évoquait son avenir politique sur la presqu'île comme un éventuel élu. Il se voyait un jour aux commandes, certainement, d'une municipalité. Philippe Rivet ne doute pas de son destin politique. Il en parle volontiers, comme si rien ni personne ne pouvait freiner sa réussite. Mais c'est bien le seul sujet dont il veut discuter. Dès qu'on arrive aux questions qui fâchent, eh bien, M. Rivet refuse de parler, demande la présence de son avocat, et voilà, c'est le silence, silence. Très rapidement, il a compris qu'on avait des, comme on dit dans le métier, on avait des billes, et c'est là qu'il a commencé à se fermer. Monsieur Bloch-Gilles, pendant sa garde à vue, Rivet ne dit rien et il nie tout. Vous avez pourtant beaucoup d'éléments matériels contre lui. Alors, on n'a pas seulement des éléments matériels, mais on a à la fois un profil, puisque c'est très à la mode, le profilage. On a des mobiles, on a des indices, on a des expertises et on a des témoignages. Donc tout ceci est quand même relativement consistant. Et donc il est mis en examen ? Effectivement, il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat et incarcéré. En fait, il a été mis en examen pratiquement 6 mois, jour pour jour, après l'attentat de la Baule. C'est exact. Et son ami Alexandre Caget ? Alors Alexandre Caget était effectivement un ami très proche. On peut supposer, bien sûr, qu'il était au courant des agissements de Philippe Rivet. On aurait même peut-être pu supposer qu'il en ait été complice, mais ceci n'a jamais pu être prouvé. Et donc, il s'est passé quoi pour lui ? Il a bénéficié d'un non-lieu. Toutes les pièces saisies lors des perquisitions sont transmises aux experts. Et leurs rapports alourdissent encore le dossier de Philippe Rivet. Le mélange d'abord, celui qu'on a retrouvé dans le garage et la voiture de Philippe Rivet. C'est bien le même que celui qui a servi à confectionner la bombe de la Baule. Même nature, même dosage. Mais pour Philippe Rivet, c'est une coïncidence.
Philippe Rivet entretenait les propriétés de ses parents. Il faisait notamment pas mal d'entretien d'espaces verts et il indiquait avoir besoin désherbants puissants. C'est pas un bricoleur. Il aurait construit la bombe, il aurait fait sauter la maison, celui-là. Ben, vous parlez d'une idée géniale. Les experts sont pourtant formels. Le désherbant, le chlorate de sodium, n'a pas besoin d'être associé à du sucre pour agir en tant que désherbant. Donc, si on y met du sucre, c'est pour en faire une substance explosive. Le matériel informatique de Philippe Rivet parle aussi. L'expert ne retrouve aucune trace du bon FedEx dans l'ordinateur. Mais il démontre avec évidence que l'appareil a pu servir à le fabriquer. Le bon FedEx était fait avec une police qui était assez rare, que l'on a retrouvée sur l'ordinateur de Philippe Rivet. Cette police Xerox n'existe pas à l'origine sur les ordinateurs. Elle a été installée via un logiciel. Son erreur est venue du fait qu'il a essayé effectivement sur le PC d'approcher la vraie police qu'il y avait sur le vrai bon, et sans se douter en fin de compte que la police qu'il allait utiliser était une police rare et qui allait quelque part signer son acte. Reste à savoir si c'est bien Philippe Rivet qui a acheté la chaîne IFI. Il s'agit d'un modèle ancien qu'on ne retrouve plus dans le commerce. La police épluche ses relevés bancaires. On s'aperçoit qu'il a utilisé sa carte bancaire le 5 août dans la soirée, dans un distributeur de billets situé porte de Montreuil. Là, on sait qu'il y a les puces de Montreuil qui ont lieu, donc on décide de faire des vérifications auprès de tous les marchands qui travaillent sur ce marché. On trouve un Asiatique qui nous dit avoir vendu des chaînes IFI de la marque internationale dans leur emballage d'origine, ce qui est très important pour nous puisque l'emballage, on l'a retrouvé dans les locaux du CICFG, dans leur emballage d'origine, et qu'il a acheté ces chaînes IFI à une entreprise de la région parisienne. Les numéros de série retrouvés sur l'emballage et les débris de la chaîne IFI montrent qu'elle sort du même lot que les appareils vendus aux puces de Montreuil. On peut toujours dire qu'il y a une coïncidence, mais enfin ça fait beaucoup de coïncidences. Et il n'y a plus que Philippe Rivet pour croire aux coïncidences. Comme on dit chez nous, il a toujours chiqué. Il n'a jamais rien reconnu. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. À toutes les questions. Les policiers comprennent qu'ils ne vont rien en tirer. En garde à vue, Rivet ne parle pas. Mais dans son entourage, on peut peut-être le faire, c'est ce que se disent les policiers. Oui, il y a quatre personnes, quatre hommes, avec lesquels il est régulièrement en contact avec son téléphone. Alors, ces garçons s'appellent Alexandre Caget, celui-là, la police le connaît déjà. Il y a Vassilios Bazos, Jean-Louis Raveau et Jean-François Illy. Ces trois-là, ce sont des ex du GUD, des ex-GUDards, des gars d'extrême droite. Mais celui qui intéresse le plus les policiers, c'est celui-là là-bas, c'est Jean-François Illy. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Jean-François Illy ? Eh bien, Jean-François Illy, Frédéric, il était en contact téléphonique avec Philippe Rivet à deux dates clés de l'enquête. D'abord, le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est le jour où Rivet reçoit sa lettre d'éviction du CNI. Et la première personne qu'il appelle, c'est Jean-François Illy. Deuxième date clé de l'enquête, c'est le lundi 7 août, le jour où quelqu'un vient déposer l'engin explosif piégé devant la porte du CICAPG. Et ce jour-là, eh bien, Jean-François Illy et Rivet se sont parlé à deux reprises. Sur leur téléphone portable, de portable à portable, à 13h10, une conversation qui a duré 34 secondes. Une deuxième fois, à 14h23, la conversation dure 7 minutes et 4 secondes. Curieux aussi, ces deux-là, qui se parlaient tout le temps, le 10 février, ils arrêtent de se parler. Ça intéresse les policiers parce qu'ils se disent, forcément, ils se sont fâchés, il s'est passé quelque chose, donc il faut qu'on retrouve Jean-François Illy, parce que Illy va baver, Illy va nous raconter des choses sur Rivet, il y a sûrement des trucs qu'il peut nous apprendre. Et ils arrivent à le localiser, alors ? Alors, ça va être la grosse surprise, parce que les policiers lancent un avis de recherche pour retrouver Jean-François Illy, et là, ils découvrent qu'ils ne sont pas les premiers à le rechercher. Marie-Elisabeth Illy, vous êtes la sœur de Jean-François Illy. Et en fait, c'est vous
qui est à sa recherche. Vous avez même signalé sa disparition en mai 2001. Oui. Comment ça s'est passé ? La gardienne de l'immeuble de mon frère devait lui remettre un paquet. Elle est allée plusieurs fois chez lui et vu qu'il ne répondait pas, elle m'a contactée en me disant « C'est bizarre, ton frère ne répond pas, je suis inquiète. » Donc moi, je me suis déplacée jusqu'à l'appartement de mon frère. Vous n'aviez plus de nouvelles depuis quand ? J'avais plus de nouvelles depuis à peu près un mois. Et je me suis donc déplacée à son appartement, j'ai sonné, j'ai appelé. À la suite de ça, je suis descendue au commissariat du quartier et le commissariat a envoyé une équipe de pompiers avec moi, donc sur l'appartement, pour faire ouvrir l'appartement et voir ce qui se passait exactement. Et là, je me suis rendu compte que les affaires de mon frère avaient disparu, la télé avait disparu, les chaises avaient disparu, mais la table était là. Enfin, il y avait des incohérences pour moi. Pour vous, il semblait être parti volontairement ? Et je ne l'envisageais pas. Il y a une chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mon frère avait une sinusite invalidante qui nécessitait des traitements permanents. Et tous ces médicaments étaient restés là. Et je trouvais ça vraiment très bizarre qu'il soit parti sans médicaments, sans argent. Est-ce que par la suite, d'autres éléments vont vous inquiéter ? Oui, le fait qu'il n'ait pas pointé à son contrôle judiciaire, il était sous contrôle judiciaire pour raison psychiatrique, et le fait qu'il n'ait pas pointé au chômage non plus, il avait été radié d'ailleurs des ACEDIC. Est-ce qu'il avait des raisons de partir, votre frère ? A priori, non. Mais c'est vrai qu'il était responsable de l'accident de voiture dans lequel ma mère était décédée. Il avait très mal vécu, il était un peu instable depuis. Alors effectivement, il aurait pu partir pour refaire sa vie ailleurs, mais en même temps, c'était pas quelqu'un de... Il aimait sa maison, son appartement, son cadre, son confort, et c'était quelqu'un surtout qui n'était pas aventurier. Vous avez appelé ses amis ? J'ai appelé entre autres Jean-Louis Raveau, qui lui m'a dit que mon frère était parti vivre à l'étranger, qu'il l'avait accompagné à l'aéroport. Et ce Philippe Rivet, vous le connaissiez, vous ? Pas du tout. Je n'en ai même jamais entendu parler. Les policiers se lancent donc à la recherche de ce Jean-François Illy. L'homme pourrait les aider à coincer définitivement Rivet, à boucler enfin l'affaire de la Baule. Ils ne se doutent pas qu'ils sont sur le point d'ouvrir un nouveau dossier pour assassinat. En juillet 2001, une patrouille de police retrouve la voiture de Jean-François Illy sur le parking de l'aéroport de Roissy. La PJ de Nantes débarque aussitôt. Et là, on va voir ce véhicule et on constate que le véhicule est propre, net, il n'y a aucune empreinte dedans, ce qui n'est pas normal. Un véhicule comme ça, on trouve toujours l'empreinte du conducteur ou quelque chose. Là, on n'a aucune empreinte dedans. Bon, c'est quand même curieux. Là, on pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas, quoi. Les policiers récupèrent les listings de l'aéroport, mais Jean-François Illy n'apparaît sur aucun vol. Alors, que fait sa voiture à Roissy ? On fait des vérifications sur ses comptes bancaires et on s'aperçoit que la carte bancaire de M. Illy a continué à fonctionner sur quelques jours, après le 10 février, mais pour faire des retraits anormalement élevés par rapport à ce que faisait M. Illy, des retraits de plus de 1000 francs, etc. Donc déjà, ça ne collait pas du tout avec les habitudes de l'intéressé. On fait également des recherches au niveau de son chéquier et on s'aperçoit là qu'il a fait des chèques après le 10 février, mais que sur ces chèques-là, la signature n'est pas la même que celle qui figurait avant le 10 février. À croire que ce n'est pas Jean-François Illy qui a signé. En tout cas, l'homme n'a jamais été aussi dépensier. Son compte fond comme neige au soleil. Les enquêteurs se replongent dans les fadettes, mais cette fois celle de Jean-François Illy. La facturation détaillée de son téléphone mobile nous amène à le suivre jusque le 10 février sur l'Étang-la-Ville. Marly-le-Roi, l'Étang-la-Ville. Et au-delà de cette période, c'était aux alentours de 19h40, 19h45, au-delà de cet appel, Jean-François Illy a disparu totalement, n'a plus utilisé son téléphone portable. Et ce soir-là, sur place, était également présent donc Philippe Rivet, puisque son portable l'avait contacté, ainsi qu'un certain Jean-Louis Raveau, identifié également grâce à son portable. Et ils se trouvaient tous les trois sur place. La PJ décide donc de coffrer toute la bande de Rivet. Vassilios Bazos et Jean-Louis Raveau sont interpellés le même jour. Quand la brigade du SRPJ de Nantes est arrivée le matin chez moi, ça ne m'a pas étonné, quoi. Ils ont frappé à 6h du matin, je leur ai dit « Ouais, ok, d'accord, je vous ouvre, il n'y a pas de souci, mais pas de bordel, parce qu'il y a mes enfants. » Donc ils sont rentrés, je leur ai payé un café, ils ont attendu que quelqu'un de ma famille vienne chercher mes enfants, ils ont été vraiment d'une grande correction. Jean-Louis Raveau est entendu dans les locaux de la police parisienne. Quand on l'interroge sur la disparition de Jean-François Illy,
Il explique que son copain est parti dans les pays de l'Est chercher une femme et que depuis, il ne donne plus de nouvelles. On lui fait signer sa déposition et une fois qu'il l'a signée, je lui dis « Écoutez, monsieur Raveau, il va falloir qu'on recose ensemble parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout là. » Les policiers savent que le portable de Jean-Louis Raveau a été enregistré par une borne de Roissy le 16 février 2001, 6 jours après la disparition de Jean-François Illy. Alors vous m'expliquiez qu'est-ce que vous faisiez à Roissy le 16 février et pourquoi on retrouve la voiture de Lily à Roissy. Premier point. Deuxième point que vous allez m'expliquer, c'est ces chèques qui ont été émis sur le compte de M. Illy après le 10 février et qui ont été émis sur votre lieu de travail, c'est-à-dire à la station de métro Glacière ou le Corvisart. Et également, que vous m'expliquiez, et je crois que c'est là que ça lui a fait du mal, vous m'expliquiez l'achat de livres que vous avez fait pour vos enfants avec ces chèques-là. Jean-Louis Raveau travaille juste en face de la librairie qui a encaissé ses chèques. Et là, il me dit, je veux réfléchir, je veux réfléchir. Je dis, quand vous êtes prêt, vous me faites signe. Et je l'ai laissé à peu près une demi-heure. Et là, il me dit, écoutez, je vais tout vous dire, parce que ça me pèse vraiment sur la conscience, je vais vous dire ce qui est advenu de M. Illy Jean-François. Et Jean-Louis Raveau se met à table, il le dit tout de go aux policiers, vous n'avez aucune chance de retrouver Jean-François Illy. Il est mort. Le 10 février 2001, Philippe Rivet a organisé une fondue bourguignonne chez ses parents à l'étang de la ville. Il a invité ses copains, Vassilios Bazos, Jean-Louis Raveau et Jean-François Illy. Une soirée entre potes. En fait, un piège pour Jean-François Illy. Il s'agissait au départ de flanquer une correction à Illy, parce que Illy, soi-disant, avait manqué de respect vis-à-vis de la mère de Bazos et avait été méchant avec les enfants de Raveau. Jean-François pouvait être très violent avec les gens avec qui il vivait, mais que ça soit verbalement ou physiquement. C'était aussi un gars très costaud. Pour être sûr d'avoir le dessus, Rivet a donc eu une idée. Chaque convive aura sa bouteille et celle qu'il réserve à Jean-François Illy est une cuvée très spéciale. Bon, celle de Jean-François, il y avait eu des somnifères qui avaient été glissés dedans, donc... Le repas s'est déroulé normalement, tout le monde a mangé, après, tout le monde a bu du vin. Là, Jean-François a été pris d'un malaise, il a commencé à vomir partout. Raveau et Bazos ont alors emmené Illy dehors, histoire de le remettre d'aplomb en faisant quelques pas en forêt. Philippe Rivet les a laissés partir devant, il avait quelque chose à prendre. Quand il les a rejoints, il était armé d'un fusil à pompe. Personne n'a rien dit. Les quatre hommes se sont enfoncés dans le bois jusqu'à une clairière. Et là, Rivet a sorti le fusil à pompe et lui a tiré dessus, quoi, tout simplement. Sans aucune explication envers qui que ce soit. Ça s'est passé en laps de temps très réduit, ça a duré 2 secondes. 2 secondes, on n'a pas eu le temps, personne n'a eu le temps de réagir. Et moi, je me suis jeté à terre parce que je me suis dit, putain, la prochaine, elle va être pour ma gueule. Parce que je pensais que là, il allait tirer sur tout le monde, quoi. Et là, d'un seul coup, vous dessoulez, quoi. Vous dites, merde. Ouf. Quand Jean-François est tombé à terre, Rivet avait toujours le fusil à la main, de toute façon. Donc nous, on n'était pas dans une position de force, par rapport à quelqu'un qui a une arme à feu avec lui. Et il a retiré des branchages, il nous a demandé de déshabiller le corps et de le mettre dans la fosse. Une tombe profonde, creusée un peu plus tôt. Rivet demande aux autres d'enlever la montre de Illy et les bijoux qui pourraient permettre de l'identifier. Personne n'a rien dit. Là, vous êtes au milieu d'une forêt avec un mec qui a un fusil, qui vient de descendre un gars, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je pense que tout le monde aurait réagi de la même manière, vous obéissez, vous fermez votre gueule. Ils ont récupéré les vêtements dans un sac, etc. Ils sont allés chercher de la chaux qui était prête dans le jardin des parents à Étang-la-Ville. Ils ont recouvert le corps de chaux et ils ont rebouché la tombe.
On est rentré après, je suis arrivé, nous on s'est saoulé la gueule, enfin moi je me suis saoulé la gueule, et le lendemain tout le monde est reparti comme si de rien n'était. Les deux hommes viennent d'assister à l'assassinat de leur ami et ils tournent la page. Une fois que Ravaume a fait ses aveux, là, j'appelle le magistrat, il est 23h et quelques la nuit, et je lui dis, voilà, bah, si, ce que je vous avais dit, ce qu'on avait pressenti, bah, c'est ça. Monsieur Ravaume vient de s'expliquer. Et là, on me donne pour consigne d'arrêter tout, de ne plus reprendre position, ni de Bazos, parce que je me proposais de prendre dans la foulée, évidemment, d'entendre dans la foulée Bazos. Mais là, on me dit, surtout, ne prenez pas de position de monsieur Bazos. On vous rappelle demain matin, on vous donnera les directives demain matin. Et là, le lendemain matin, j'apprends que je suis dessaisi du volet Illy, quoi. L'assassinat de Illy a eu lieu dans les Yvelines. Il relève de la police judiciaire de Versailles. Les policiers de Nantes quittent la scène. Ils ne gardent que le dossier de l'attentat de la Baule. Ah, je peux vous dire, j'ai hurlé au téléphone là, ce jour-là. Ouais. Jean-Louis Ravaume et Vassilios Bazos changent donc de main. Monsieur le procureur, la justice décide donc de ne pas lier les deux affaires, à savoir l'attentat de la Baule et l'assassinat de Jean-François Illy. C'est tout de même assez étonnant. Au départ, nous n'avions pas la preuve qu'il y ait une connexité entre les deux affaires. On le subodorait, mais on n'en avait pas la preuve. Vous êtes déçu, j'imagine, quand même, non ? Alors, j'étais bien entendu extrêmement déçu. Les deux affaires s'étayaient, évidemment, et puis la deuxième affaire éclaire quand même un aspect singulier, le personnage de Philippe Rivet. Ça vous conforte dans l'idée que Rivet, en fait, il est capable de tout. Lorsqu'on est capable de créer un engin qui est fait pour tuer, lorsqu'on est capable de laisser cet engin pendant 3 mois et demi sans rien dire, c'est dramatique parce que quand on connaît la personne de Christophe Priou, quand il reçoit un cadeau, il le donne généralement à des maisons de retraite ou à des écoles maternelles. Imaginez un peu s'il avait donné la chaîne à une école maternelle, le drame que ça eût été. Sans surprise, Philippe Rivet continue de nier. Il n'a jamais organisé l'attentat de la Baule et il n'a pas non plus assassiné Jean-François Illy. Bazos a beau confirmer la version de Ravaume, Rivet ne se démonte pas. Il n'y est pour rien, il ne sait rien. Les policiers veulent le coincer en lui présentant l'arme du crime. Un fusil à pompe, c'est ce qu'ont dit Bazos et Ravaume. Les policiers de Nantes ont une petite idée de l'endroit où ils se trouvent. Ils en ont vu un à l'étang la ville. Lorsqu'on va retourner dans la maison des parents de Philippe Rivet, il va avoir disparu, ce fusil. Plusieurs personnes ont vu ce fusil à pompe, et notamment les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes. Le juge doit donc se contenter de leur témoignage. Les policiers de Nantes n'imaginaient pas qu'ils venaient de tomber sur une arme de crime quand ils ont perquisitionné la villa des Rivet. Mais la propriété de l'étang de la ville cache peut-être encore des choses, notamment le corps de Illy. Le juge organise une reconstitution avec Ravaume et Bazos. Rivet, lui, refuse de quitter sa cellule. Et ce soir-là, la police ne lésine pas sur les moyens. On avait un hélicoptère au-dessus, on avait les chiens, le GIGN, enfin bon, la totale, quoi. Le père de Philippe Rivet est là, comme témoin, puisqu'il était présent dans la maison le soir du crime. Ben moi, quand je suis revenu de mon travail vers 8h, 8h30, ils étaient ensemble pour l'apéro. Ce soir-là, M. Rivet ne s'est pas attardé. Il est monté se réfugier dans sa chambre. La police lui apprend que son fils a utilisé ses médicaments pour droguer Jean-François Illy. J'étais en dépression à l'époque. C'est pour ça que il m'a pris des... J'avais des anxiolytiques, ouais. Alain Rivet reste dans sa chambre pendant que son fils et ses copains font la fête en bas. C'est depuis sa fenêtre qu'il voit le petit groupe sortir vers minuit. Quand ils sont partis, moi, j'ai pensé qu'ils allaient diluer les vapeurs d'alcool en forêt, quoi. C'était normal. La reconstitution se poursuit dans le jardin. Vassilios Bazos raconte qu'avant de partir dans le bois, Philippe Rivet lui a demandé de prendre des sacs
remplie de poudre blanche. Au départ de ce dîner, il est très, très vraisemblable, enfin possible, que Ravo et Bazos n'aient pas connaissance qu'ils sont là pour aider Philippe Rivet à tuer Jean-François Huyny. Mais quand on a envie de casser la gueule à quelqu'un dans une forêt, on n'emmène pas ni des sacs de chaux, ni un fusil à pompe. Les deux hommes conduisent les enquêteurs sur le lieu du crime. Il leur faut un bon quart d'heure pour arriver dans la clairière. La première chose qui va nous contrarier, c'est que Ravo et Bazos décrivent pas exactement le même endroit, puisque lorsqu'on s'enfonce dans la forêt, un part à gauche, l'autre part à droite. Mais les deux endroits qui sont désignés par les deux sont pas très éloignés l'un de l'autre. Selon Bazos, les choses ne sont pas allées aussi vite que Ravo l'a dit. Une fois dans la clairière, un long silence s'est installé entre les quatre hommes. Rivet faisait face à Jean-François Huyny. Il l'a mis en joue. Personne n'a réagi. Il a tiré une première fois. Le coup n'est pas parti et là encore, personne n'a bronché. Ce n'est qu'au troisième tir que Rivet a atteint sa cible. Dans la nuit, vers entre minuit et une heure, j'ai entendu deux coups de fusil. Alors j'ai pensé que c'était un braconnier. Alain Rivet ne peut pas imaginer que son fils vient de tuer un de ses amis d'une balle en pleine tête. Et il en doute toujours. On ne sait pas qui a tiré ce monsieur Huyny parce que personne ne les a suivis en forêt. Donc les uns, ils vont accuser les autres. Non, mon fils n'était pas violent. Maintenant, vous savez, les parents, c'est eux qui connaissent moins bien leurs enfants. Hein. Jean-Louis Ravo et Vassilios Bazos racontent au juge qu'après l'assassinat, ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. Quand ils évoquaient le drame du 10 février au téléphone, ils parlaient du dîner de cons. Quant à Jean-François Huyny, c'était devenu Belphégor, comme le fantôme. Oui, on disait Belphégor, on disait le dîner de cons, on usait de termes qui étaient une manière de rejeter ce qui s'était passé. Quoi. On le vit mal, de toute façon, on ne peut pas le vivre bien. Personne ne peut vivre bien ce genre de choses. Je pense que tous les gens qui ont participé à des actes aussi violents ne vont pas vous dire qu'ils le vivent bien ou qu'ils ne le regrettent pas. La perquisition doit aussi permettre de retrouver le corps de Huyny. Bazos et Ravo tentent de repérer la fosse où ils ont jeté leur copain. Les policiers délimitent la zone pour poursuivre les fouilles en plein jour avec des engins de chantier, mais les recherches ne donnent rien. On n'aurait pas pu passer à côté si le corps avait toujours été au même endroit. Il est très possible que Rivet et pu se méfier de Bazos et de Ravo, et qu'il ait ensuite, alors avec ou sans complicité, on ne le saura jamais, déplacé le corps pour le mettre ailleurs. Ça reste une hypothèse, mais c'est une hypothèse assez séduisante tout de même. Après l'étang la ville, les policiers poursuivent donc les fouilles au Pouliguen. Là aussi, ils vont retourner le jardin. Certains signes laissent penser que le cadavre est passé par là. À une période donnée, les voisins se sont plaints du feu que faisait Rivet dans le jardin des parents, qu'il en fumait tout le quartier, etc., et qu'il avait des odeurs spéciales, etc., etc. On va tout retourner. Il y avait un puits également qu'on va sonder, dans lequel les pompiers vont descendre, et on ne retrouvera rien, en fait. Philippe Rivet garde son secret. Un secret que même son père, qui voulait offrir une sépulture à Jean-François Huyny, n'a pas réussi à percer. Oui, je l'ai fait pendant 10 ans, les dimanches après-midi. Mais bon, bah, je suis sûr que je suis passé dessus, forcément, à force de sillonner la forêt. Je sais à peu près où il est, mais la zone, elle est tellement grande qu'il faudrait des années de fouilles, c'est pas possible. Quant à Jean-Louis Ravo, il reste persuadé que Rivet aurait fini par éliminer tous les témoins du crime. J'ai des sérieux doutes sur le fait qu'après, il aurait peut-être voulu m'assassiner. J'y pense. J'y ai toujours pensé, quoi. Marie-Elisabeth Huyny, vous apprenez simultanément et que votre frère est mort
et que ce sont ses copains qui l'ont assassiné. Oui. C'est très dur parce que... Oui. Que dire d'autre ? C'est mon frère et mon petit frère en plus, donc... que ma mère m'avait confié quand elle est décédée. Donc voilà, je me sentais un peu responsable de lui, responsable de ne pas l'avoir peut-être protégé à un moment donné. Que dire d'autre ? Je comprends pas ce qui s'est passé. En plus, Jean-Louis Raveau, je le connaissais depuis qu'il était gamin, puisqu'il connaissait mon frère. Il avait 12 ans, 8 ou 12 ans qu'ils sont connus. Donc je l'ai toujours vu à la maison. Et Bazos ? Bazos, je ne le connaissais pas. J'avais même pas... J'avais jamais entendu son prénom, ni son nom, jusqu'à cette affaire. À votre avis, pourquoi Philippe Rivet a-t-il tué votre frère ? J'en ai déduit que mon frère devait être au courant pour l'histoire de la boule. J'ai l'impression qu'il était quelqu'un d'assez peureux par rapport à la justice. Et je me suis dit que s'il était au courant pour la boule, il a dû, à mon avis, à un moment donné, menacer Philippe Rivet de le dénoncer. Donc lui, il ne voulait pas se trouver dans une... qu'on puisse l'accuser d'avoir été complice et que, sachant l'histoire, je pense qu'il a dû bêtement menacer Philippe Rivet de le dénoncer. Il a déjà été condamné, d'ailleurs, votre frère, pour... il avait été condamné pour menace et chantage, oui, non ? Oui, oui. Donc je pense qu'il a dû essayer de le faire chanter. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. On ne retrouve pas le corps de votre frère ? Non, jamais. C'est très dur parce que de ne pas avoir possibilité de l'enterrer, de savoir aussi ce qui s'est réellement passé, parce qu'un corps parle aussi. Donc savoir s'il a souffert, s'il a été tué brutalement, enfin savoir si ce que l'on m'a dit est la vérité, déjà, s'il n'a pas des traces de coups, voilà, je voulais savoir s'il a été torturé ou pas. Donc c'est vrai que le corps aurait pu aider à un moment donné à connaître la vérité. Et oui, c'est très dur. Je suis même allée dans la forêt plusieurs fois avec des amis creuser le week-end pour essayer de... En vain. En vain. Au terme de la perquisition, Rivet, Bazos et Raveau sont mis en examen tous les trois pour assassinat, vol, falsification et usage de chèques. Reste à déterminer le rôle que chacun a joué dans les deux affaires. Il y en maître chanteur. Les policiers en sont convaincus. Raveau nous explique quand même que le premier travail de Rivet après avoir tué Illy, c'était de retourner à l'appartement de Illy, puis de récupérer l'ordinateur et tous les papiers compromettants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver l'ordinateur de Illy, d'autant qu'on nous avait expliqué que c'était un monsieur qui fichait tout, qui notait tout sur son ordinateur, qu'il avait une sorte de journal de bord, etc. Les enquêteurs reprennent tous les comptes bancaires de Philippe Rivet pour les croiser avec les fadettes. Et c'est là qu'on s'aperçoit, curieusement, on a des retraits espèces très importants sur ces comptes bancaires, des retraits espèces qui coïncident avec des appels téléphoniques répétés de jour comme de nuit de Jean-François Illy par rapport à Rivet. Et là, on se dit, Illy devait faire chanter Rivet. Si Illy était au courant de l'attentat, c'est peut-être parce qu'il y a participé. Les enquêteurs savent que Philippe Rivet a acheté la chaîne IFI le samedi 5 août en fin de journée au Puce de Montreuil. Il a vraisemblablement confectionné la bombe le lendemain. Le carton a été déposé devant le SICAPG dans la nuit du 6 au 7 août. Mais le matin du 7 août, Philippe Rivet était à Paris rue de Richelieu et il peut le prouver. Mon fils, il se trouvait à 10 heures à la Bibliothèque nationale. Alors, vous savez, à la Bibliothèque nationale, sur un registre, vous êtes obligé de marquer votre nom, votre adresse et les documents que vous voulez consulter. Alors, c'est impossible. Impossible qu'il ait pu faire le voyage. Philippe Rivet a même eu un PV pendant qu'il était à la bibliothèque. Quelqu'un a donc fait la livraison pour lui. Pour moi, c'est Jean-François Illy qui a été déposé la bombe à la boule. On s'aperçoit que M. Jean-François Illy a fait un retrait au distributeur de billets d'Ornano à Paris dans la nuit du 6 au 7 à 2h10 de 200 francs. Donc d'habitude, on voit les retraits qu'il fait, c'est dans la journée toujours. Et là, en pleine nuit, pour qui, pourquoi ? Donc on peut penser qu'il prend de l'argent avant de faire son voyage pour se rendre à la boule. Philippe Rivet avait l'habitude d'utiliser Jean-François Illy comme homme de main. Celui-ci lui était entièrement dévoué. Jean-François Illy disait que Rivet voulait se présenter au Pouliquen et que s'il était élu, il aurait certainement un poste à responsabilité au niveau du Pouliquen, quoi.
Donc je pense que oui, effectivement, il y avait l'attrait du gain, on va dire, entre guillemets, pour Jean-François Hilly dans cette histoire. Jean-François Hilly voulait profiter de l'ascension de Philippe Rivet, mais il l'aurait trahi en le faisant chanter. Pour les policiers, le scénario est clair, mais pour le père de Philippe Rivet, c'est du cinéma. Attendez, et mon fils, il aurait éliminé un témoin gênant pour s'en coltiner deux autres. Mais vous parlez d'une idée géniale. L'instruction a démontré que l'assassinat de Jean-François Hilly était intimement lié à l'attentat commis au 6KPG. Mais les deux dossiers vont quand même être jugés séparément. La justice commence par celui de la Baule. Le procès de Philippe Rivet s'ouvre à Nantes le 24 mai 2004. C'est Francis Piner, un grand avocat parisien qui défend Philippe Rivet. Dans la salle, les témoins et les victimes de l'attentat se pressent pour voir l'homme qui prétendait devenir un de leurs élus. En lisant le dossier, on a l'impression d'avoir un chef de bande. Et quand on voit la personne, on se dit que comment quelqu'un comme lui peut attirer des gens à le suivre dans des affaires comme ça. Comment a-t-il pu imaginer faire de la politique, enfin, c'était incroyable. Philippe Rivet m'est apparu comme un raté, c'est certain, et comme quelqu'un de détaché de tout sentiment humain. Tous les collègues de Jacques Leparoux sont aux côtés de sa famille. Ils attendent des aveux, des explications. Ils vont être cruellement déçus. Philippe Rivet continue de nier. Il est capable de laisser une bombe pendant un bon laps de temps sans s'inquiéter de savoir qui va vraiment en être la victime. Donc avec des gens qui ont une famille, qui ont une autre histoire, qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Le gars, il était agent municipal. C'est un job, quoi. C'est pas un engagement. Le geste paraît fou, mais Rivet ne l'est pas. C'est ce que disent les psychiatres, qui soulignent un simple manque de maturité. Philippe Rivet porte en fait l'ambition de sa mère. Mais il n'a pas l'étoffe d'un héros, il fantasme la politique, il se fait un film. Au fond de lui, ma conviction est que Rivet savait qu'il allait échouer, qu'il n'avait pas de perspective. Et donc, Christophe Priou représentait celui, au contraire, qui montait, qui avait réussi, malgré des origines modestes, un parcours assez simple finalement. Et c'était tout l'inverse de celui qui, par le travail local, la proximité, avait des perspectives d'être élu, éventuellement un jour député, et Rivet qui s'enfermait dans sa haine, dans sa solitude et dans ses convictions d'extrême droite. Devant la cour, Philippe Rivet apparaît comme un amateur obsessionnel, mais aussi comme un homme dangereux. Quand Vassilios Bazos, le plus jeune de la bande, arrive à la barre, il tourne de l'œil en s'approchant de Philippe Rivet. La peur de la mort s'est exprimée à ce moment-là. La peur de la mort. Et je pense que ce témoignage-là a été ravageur pour la défense de Philippe Rivet. La défense ne se démonte pas, elle plaide l'innocence et l'acquittement. Il n'est vraisemblablement pas là le jour où cet engin est déposé. Nous démontrerons qu'il n'a pas la compétence technique, quoi qu'on en dise, pour faire cet engin. Et nous démontrerons que le mobile avancé est ridicule. Monsieur Bloch-Gilles, à ce procès, vous êtes avocat général. L'acquittement est-il possible ? L'acquittement est toujours possible, c'est évident. D'ailleurs, son avocat m'a demandé avec une certaine malice avant mes réquisitions si je ferais appel de l'acquittement. Nous avions quand même un certain nombre d'éléments et il faut savoir que dans le système de preuves français, l'aveu n'est pas la meilleure des preuves. Mais selon la défense, justement, vous n'aviez pas de preuves irréfutables. Les indices se sont accumulés. Nous avions quand même énormément d'éléments, indépendamment du profil et des mobiles de l'intéressé. Donc pour vous, il n'y a pas de doute ? Eh bien, pour moi, bien entendu, il n'y avait pas de doute. Je crois en avoir convaincu, d'ailleurs, les jurés. Alors justement,
Quelle peine demandez-vous pendant votre réquisitoire ? Lors de mes réquisitions, j'ai demandé une peine de 30 années de réclusion et une peine de sûreté de 20 ans. Et au total, il a eu ? Alors, il a eu 28 ans et 10 ans d'inéligibilité, enfin d'interdiction des droits civiques. Monsieur Priou, qu'avez-vous ressenti pendant le procès devant l'homme qui avait cherché à vous tuer ? Vous êtes sur des sentiments que vous n'avez jamais éprouvés auparavant. D'abord, une ambiance de procès d'assises, c'est extrêmement lourd. Donc vous êtes totalement hors sol. Ça a été 5 jours d'apesanteur où vous avez l'impression d'être dans un mauvais rêve, qui est plutôt en l'occurrence un cauchemar. Qu'avez-vous ressenti ? Vous portez le remords d'avoir... d'avoir causé la mort d'un innocent. La famille de Jacques Leparoux, d'ailleurs, on s'en expliquait ensuite, et les procès ont été utiles pour ça, me tenaient responsable, justement responsable. On a fait un chemin de deuil ensemble, et je crois que ça aussi, ça nous a rassemblés, ça nous a unis quelque part. Vous espériez un geste de regret ? On aurait espéré d'abord qu'il avoue, et effectivement qu'il s'excuse et qu'il dise effectivement... Qu'il éprouve des regrets, notamment vis-à-vis de Jacques Leparoux et de la vie qu'il a brisée. Mais il a été d'une froideur, on sentait un regard métallique sans aucun remords à l'époque. L'ambition politique éperdue dont il a fait preuve vous a-t-elle troublé ? Au cours du procès, les choses se sont un peu éclairées, avec notamment tout le processus qui peut amener au passage à l'acte, justifié, et notamment avec des idéologies d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, en l'occurrence là, c'était l'extrême-droite. Je me souviens d'une phrase de Philippe Rivet qui, à Nantes, m'avait marqué, quand on lui a posé la question « Que pensez-vous de la violence ?» Il a dit « Je suis contre la violence gratuite, mais la violence politique peut se justifier, et c'est là où on arrive à des conséquences des idéologies extrêmes. » Dans sa prison, Philippe Rivet continue de nier et devant la cour d'appel, un an et demi plus tard, il fait la même chose. Mais le verdict est confirmé, coupable. Reste à le juger pour l'assassinat de Jean-François Illy. 5 ans plus tard, il retrouve donc la cour d'assises. Cette fois, Ravot et Bazos sont avec lui. Le procès s'ouvre à Versailles le 19 octobre 2010, plus de 9 ans après les faits. Rivet est seul dans le box, ses co-accusés Jean-Louis Ravot et Vassilios Bazos comparaissent libres. Philippe Rivet est en prison depuis 9 ans, son allure s'en ressent. Il indique d'ailleurs dans sa défense être fragilisé par la détention. Il a donné un certain nombre d'éléments de personnalité. Son avocat, je me souviens, a indiqué qu'il est suivi par le psychiatre, il est tout de même dépressif. D'emblée, Philippe Rivet frappe un grand coup. Après avoir nié l'attentat pendant 10 ans, il se lève et avoue. La bombe au 6 KPG de la Baule, c'est bien moi. Et la manière dont il l'a exprimé sans remords, il s'est levé, il l'a dit, il s'est assis, il aurait dit « je voudrais un steak frites », ça aurait été la même chose. Philippe Rivet insiste, il a agi seul. Jean-François Illy n'était pas dans le coup. Il n'avait donc aucune raison de l'éliminer. Il n'a pas de mobile, il n'est pas l'assassin. La tactique est fine, mais la manœuvre ne prend pas. Face à lui, Ravot et Bazos le chargent au maximum. Les deux avocats de Ravot et Bazos ont adopté un système de défense qui est évidemment très efficace devant la cour d'assises, c'est de dire que leurs deux clients, en quelque sorte, ont été contraints dans un contexte de violence et de participation à un conflit entre Illy et Rivet qui leur échappe totalement. Moi, il n'y a pas de préméditation, j'ai jamais voulu sa mort, donc je ne me sens pas coupable. Mais responsable de n'avoir rien pu faire à ce moment-là, mais coupable, non. Trop facile pour le père de Philippe Rivet. Non, il fallait absolument qu'ils soient tous les trois, hein. Un homme seul, comment il aurait pu faire pour porter le fusil, soutenir M. Illy, porter les pelles pour creuser le trou ? Pour moi, ils sont tous les trois coupables, de la même façon. Pas plus sains que les deux autres. Hein, ouais. Mais Ravot et Bazos ont de la chance. Madame Rivet, la mère de Philippe, interdit à son mari de témoigner au procès.
J'avais préparé mon témoignage pendant 5 ans. J'avais tous les éléments. Et puis ma femme, elle n'a pas voulu. Parce qu'elle a eu peur que j'accuse mon fils. Mais qu'est-ce que je peux pas dire que mon fils est innocent. Je peux pas nier l'évidence quand même. Hein? Mais pas plus que les deux autres. En fait, Jean-Louis Ravot et Vassilios Bazos vont trouver une alliée de poids totalement inattendue. Marie-Elisabeth Illy, la sœur de la victime. Marie-Elisabeth Illy, d'une façon tout à fait étonnante, après le réquisitoire de l'avocat général, vous demandez à prendre la parole. Oui, parce que mon avocate, tout au long de l'instruction, essayait de me convaincre que Ravot et Bazos c'était que des témoins passifs et qu'ils n'avaient pas pu faire autrement parce qu'ils avaient peur de lui. Je ne voulais pas l'entendre. Donc tout au long du procès, Bazos et Ravot ont comparu libres. Et là, j'ai longuement discuté avec eux. Ils m'ont expliqué, avec leurs mots à eux, ce qui s'était réellement passé. J'ai compris qu'effectivement, ils avaient peur. Et qu'est-ce que j'aurais fait, moi, en pleine forêt, si j'avais vu quelqu'un sortir une arme et tirer sur quelqu'un? Je ne suis pas sûre que j'aurais bougé plus qu'eux, en fait. Et en même temps, ils ont eu le mérite de parler à un moment donné, ce qui leur a valu quand même de la détention provisoire. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas parlé, aujourd'hui, je me demanderais toujours ce qu'est devenu mon frère. Et donc, pendant 2 heures, qu'est-ce que vous allez dire à la cour d'assises? Je leur ai dit, en fait, que moi, j'étais chrétienne et que je croyais en la rédemption. Que Ravot était un ivrogne notoire qui aurait continué à picoler toute sa vie et à aller de déchéance en déchéance. Bazos, c'était un pauvre gamin de 19 ans à l'époque qui suivait Rivet comme son gourou et qu'il s'était laissé entraîner là-dedans et que grâce à la prison, un avait arrêté de boire, avait reconstruit une famille et l'autre finalement avait fait des études et s'en était sorti. Que la vie de mon frère n'avait pas été exemplaire du tout et que si sa vie et sa mort servaient au moins à ça, à la rédemption de ces deux-là, moi la peine qu'ils avaient eue me suffisait, j'en demandais pas plus. Et qu'en revanche, je pensais que Rivet était complètement responsable de l'assassinat de Jean-François et que lui devait payer. En fait, vous êtes transformé en avocat de la défense. Un peu, oui. Oui. Vous avez pris leur défense. Oui. Oui, parce que je ne trouvais pas ça juste. Vous leur avez pardonné. Oui. 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 Le témoignage de Marie-Elisabeth Illy ne pèse pas sur les réquisitions de l'avocat général. Il demande 10 ans de prison pour Bazos, 12 pour Ravot et la perpétuité pour Rivet. Ce dossier a mis en scène des garçons un peu à la dérive, surtout, à mon avis, dépourvus de morale. Même si Philippe Rivet a été élevé dans un milieu aisé, évident, il est dans une espèce de dérive personnelle qui fait qu'il est plus rattaché véritablement à quelque chose. C'est sa réitération dans l'action criminelle qui fait que, c'est ce que j'ai expliqué, nécessitait qu'il soit condamné à la peine la plus élevée parce qu'il était dangereux. C'est quelqu'un qui assassine une année et qui assassine l'année suivante, montre une grande dangerosité. Mais les jurés, eux, ont été sensibles au discours de Marie-Elisabeth Illy. J'ai pris 5 ans, dont 2 ans avec sursis, qui couvrait ma peine. On sait qu'on ressort libre, qu'on va pouvoir continuer sa vie, qu'on est... voilà. Donc on est... c'est un grand soulagement. C'est pas explicable, je pense que ça se vit de l'intérieur, quoi. Bazos, lui, a pris 3 ans. Philippe Rivet est le seul à repartir derrière les barreaux et pour longtemps, il écope de 27 ans de prison. Il réagit pas. Il a aucune réaction. Je pense qu'il s'y attendait, quoi. Ah ben c'est épouvantable. Parce que moi, je le reverrai jamais plus, mon fils. Parce que moi, à mon âge, bon, bah, c'est pas possible. Quand il sortira de prison, moi, je serai parti, hein. Philippe Rivet n'a jamais voulu dire où se trouvait le corps de Jean-François Illy. En prison, il s'est lancé dans des études d'histoire et il a enfin obtenu des diplômes. Au CICAPG de la Baule, une salle porte désormais le nom de Jacques Leparoux.